il faut que je tienne, absolument, il faut que je tienne malgré la pression. Il faut que je reste bien concentré. Même si j'ai des douleurs, des fois un peu des crampes ou des douleurs un peu dans le dos, il faut y faire abstraction. Il faut vraiment que rien puisse me distraire et que je reste vraiment concentré à 200%. Le dernier tour, c'est le plus compliqué. On sait qu'au bout, c'est vraiment la fin. Donc ouais, c'est se concentrer vraiment sur soi-même et à faire le moins d'erreurs possible dans le tour, encore plus que tous les autres tours qu'on a pu faire avant. Moi, ce que je fais dans le dernier tour, c'est vraiment m'appliquer sur tous les points de freinage, vraiment regarder mes repères, vraiment bien m'appliquer sur les freins, sur la remise de gaz, qu'elle soit progressive, pas perdre la voiture. Et puis c'est vrai que les trois derniers virages, on essaye de regarder au loin l'arrivée et puis il faut garder quand même les yeux sur le point de corde. Donc du coup, on y va étape par étape, virage par virage, tout en s'appliquant. Toujours pareil, pour arriver, voir le drapeau à damier se basculer devant nous et voir toute l'équipe nous faire coucou. Ce passage de ligne, on passe d'un stade émotionnel qui est juste avant la ligne, qui est ultra élevé, avec énormément de pression. Et dès qu'on passe la ligne, c'est le soulagement. Donc là, tout se relâche. Effectivement, ce laps de temps est ultra court. Mais tellement bon à ressentir que ouais, on a vraiment envie de gagner après d'autres courses pour ressentir ce genre d'émotion-là. Ouais. Tout le monde est content et le pilote en profite. Et il en profite jusqu'à la soirée et jusqu'à ce qu'il s'endorme le soir pour passer à autre chose et continuer le travail tout le week-end. Dans un dernier tour de course pour un pilote, surtout quand on se bat pour une position, il faut penser toujours à bien respirer dans les lignes droites, à ne pas se tendre, à analyser, à garder ses repères. Surtout pas penser à ce qui est extérieur, au pilotage pur, surtout quand on n'est pas à la bagarre. Au moment où on passe la ligne, on n'a plus de gestion, on a le droit de ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est de rester concentré le dernier tour. Une fois la ligne passée, la course est finie, on a tout notre tour pour savourer ce moment.